Alors, bonsoir. La poétesse Nathier Brier vous déclame votre émission littéraire, culturelle, musicale, tous azimuts, tous les deux vendredis dans le mois, de 18h à 20h, en direct de www.itmediatele. Aujourd'hui, on arrivera jusqu'à 21h. Donc, aujourd'hui, j'ai comme invité le musicien Hermès Papija, qui est venu avec son producteur, manager, monsieur Tommy le préfet. Je suis avec Woleta, la chanteuse. Et je serai aussi avec Princesse Mersex, une diva aînée de la RDC. Il y aura aussi les gens de Victoria et les Hissons qui sont en route. Je serai avec Martial Prince et le musicien Prince Capucino. Donc, je serai aussi avec Monsieur Juste Wamba et d'autres invités surprises. Alors, sans plus tarder, très chers téléspectateurs, avant de commencer, je vais vous parler de l'événement du 6 décembre, comme vous le voyez ici. Le 6 décembre, c'est l'anniversaire, le 12e anniversaire de l'Association culturelle moderne et traditionnelle africaine, dont je suis la présidente fondatrice, qui aura lieu le 6 décembre de 20h à l'aube à la salle polyvalente, une grande soirée culturelle festive, ambiance musicale garantie. Salle polyvalente, 3 rue Marcel Dassault, 93 360 Neuilly-Plaisance. Ndobolo, salsa, coupé décalé, bikuti, makossa, zouk, zouglou, renbi, jazz, entrée 10 euros avec consommation de votre choix. Donc, pour ceux qui viendront par le RERA, direction Marne-la-Vallée, Chessy, arrêt gare de Neuilly-Plaisance, puis prendre le bus 114, direction Villemomble, arrêt Georges Pompidou, en face, le dernier bus s'arrête à 1h04. En voiture, prendre A4, puis A86, Lille, bar Fontenay, sortie numéro 19, Shell, bar Le Perreux. À savoir, une navette sera à votre disposition à partir de 1h. Appelez le 06 41 11 34 96, 07 53 64 80 44. Le bus de nuit national 34 à partir de 1h30, gare de Neuilly-Plaisance, direction Torcy RER, descente place de la Résistance, prend le bus 303, direction Bobigny-Picasso, descendre à l'arrêt Léon Blum et 15 minutes de marche, prendre la rue Vanini, tout droit, prendre deuxième rue à droite, première intersection en face. Donc, c'est l'anniversaire de mon association, Culture et Tradition Africaine. Venez très, très nombreux, ambiance musicale garantie. Alors, avant de commencer, je vais vous parler des faits de société, de ce qui s'est passé à Brazzaville la nuit du 23 au 24, il y a eu l'inondation. Donc, pour un commentaire, ma maman, l'inondation. Il a plu à Brazza, Pointe-Noire et d'autres villes dans la nuit du 23 au 24 novembre 2010. Les habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau. Le système de transport urbain entièrement tenu par les privés et entraîné par les corruptions, des routes coupées par des inondations. Le niveau d'eau dans un certain quartier est monté donc jusqu'aux genoux. Le changement climatique serait à l'origine de ces débordements des eaux de pluie. Les autorités municipales ont mal de trouver une solution à ces inondations très récurrentes qui se posent un problème de canalisation. Ils font des routes à la congolaise sans canalisation. En ce 20e siècle, c'est honteux. Le gouvernement congolais a pourtant conscience de ces inondations à répétition dans les grandes villes, mais il se cache derrière son petit bout de doigt, mettant en relief les changements climatiques pour justifier le phénomène. La preuve, les administrateurs, maires de ces grandes villes, ont été reconduits à leur poste, malgré l'état piteux dans lequel se trouvent Brazzaville et Pointe-Noire. Ces inondations dues en réalité en manque de canalisation, pas de collecteur capable de traîner les eaux de pluie vers les rivières, fleuves, mers. Tous les bassins versants ont été à petits collecteurs naturels, ont été obstrués par des bâtiments à étages qui montent dans la ville de Brazzaville et de Pointe-Noire comme des champignons. Les autorités municipales parlent plutôt des changements climatiques pour justifier le phénomène. Quel scandale! Regardez la ville de Brazzaville. Cette ville a été découverte en 1880 par Paul Savonneau de Brazza. C'est du jamais vu. C'est une pluie
s'est abattu du 23 au 24 novembre 2014. Je vous laisse regarder les images. Vous le voyez, c'est Brazzaville. Et Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Découvert en 1880 par Debraza.